on est très fiers de démarrer la saison au Hameau de cette manière-là. On a eu un public qui était hyper présent. On a voulu leur répondre de la meilleure des manières en proposant du jeu, comme le demande l'ADN de la section. Et voilà, on l'a fait, donc ça on est assez fiers. Et on est aussi fiers d'eux parce qu'ils nous ont portés pendant tout le match. Et ça c'est top, c'est important pour la suite. Tu sais, après les émotions qu'on a vécues à Clermont, la semaine a été rude. Nos discours francs, sincères. Et la seule chose que j'attendais aujourd'hui, c'est d'avoir des joueurs engagés, à la hauteur du public engagé derrière nous. Et c'est pour ça que c'est une mission totalement remplie. Aujourd'hui, j'ai supporté des joueurs qui étaient très engagés, déterminés, qui ont mis le pied au plancher, qui ont assumé de prendre des initiatives, qui ont assumé de prendre le jeu à leur compte. Alors oui, on peut en parler, il y a eu beaucoup de déchets, des scories, des interceptions, oui. Mais à partir du moment où on demande de l'engagement et de l'initiative, c'est les prix à payer. Et aujourd'hui, je suis 100% satisfait d'appartenir à un collectif qui ose prendre des initiatives. Oui, bien sûr, on est très content. On voulait corriger face à cette équipe de Bayonne qui est valeureuse. Et devant notre public, on est très, très content de commencer notre saison sur ce match-là, du coup. Parce qu'on ne l'a pas commencé la semaine dernière, mais on est très content de ce match-là et de ce bonus face à une grosse équipe de Bayonne. J'ai vraiment du mal à dissocier ma ligne d'attaque de mon équipe. C'est tellement un tout. Je sais que ma ligne d'attaque, elle n'a aucun pouvoir ou aucune capacité quand elle est plus ou moins à l'équilibre ou quand elle a des ballons légèrement contrariés. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une équipe qui a fait les choses dans l'ordre, qui a assumé une conquête stable et qui a bien lancé le jeu à partir d'une conquête stable. Ouais, bah on sait qu'il y a des grandes qualités derrière dans notre équipe, donc on est très content devant de les avoir et de voir que ça avance sur les côtés à chaque fois qui porte le ballon, donc forcément pour nous être dans l'avancée derrière pour attaquer c'est 10 fois plus simple. On prend vraiment du plaisir avec les trois quarts de cette qualité là, c'est clair.